Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur Race Room Racing Experience en live, s'il vous plaît, pour découvrir deux nouveaux contenus. Tout d'abord le circuit tchèque de Most et ensuite la version 2018 de la DAC GT Master, une discipline déjà présente dans le jeu depuis quelques années, mais il n'y avait plus de mise à jour depuis 2015, et le changement et le renouvellement surtout des voitures composant cette discipline, le GT3 a fait qu'il était temps de mettre un petit peu de frais dans tout cela. Alors, nous sommes avec l'Audi R8 nouvelle génération, voiture plutôt appréciée par l'ensemble du public, pour découvrir un petit peu cette piste que je ne connaissais que de nom et que je n'avais, je crois, jamais vue dans un jeu vidéo. Alors, pourquoi l'arrivée de ces circuits de l'Est dans Race Room ? On ne sait pas, peut-être pour l'arrivée d'une future discipline. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce sont effectivement mes premiers tours de roue sur cette piste. On découvre un tracé assez exigu et vallonné. Ça ressemble un petit peu au Virginia Raceway pour l'instant, ou à une section de Phillip Islands au premier abord. Ça doit être une piste très technique. Alors, ce tracé, on va en parler justement. Donc, il est disponible sur le store Race Room, vous le savez. Tous les circuits sont payants à quelques exceptions près, puisqu'on rappelle que c'est à la base toujours un free-to-play. Est-ce qu'on peut passer en troisième ici? Oui, ça va, pas trop de sous-régime et de sous-virage. Donc cette piste, le Most Autodrome, situé en République tchèque, est inauguré depuis 1983. Piste composée de 21 virages et d'une longueur de 4 km 222. Au niveau de l'IA, on est actuellement sur une difficulté à 105 et en 4 wheels, c'est-à-dire sans assistance, mais en GT3. Les assistances sont quasiment toutes autorisées, donc c'est pas trop compliqué à piloter. On voit que les balances sur les voitures sont toujours discutables pour le GT3 avec la BOP, mais ici globalement, pas de mauvaise surprise. On a donc dans ce championnat l'arrivée de nouvelles voitures, la disparition d'autres bien évidemment. On a plus de Bentley, de Mercedes AMG pour ceux qui ont roulé pour la dernière fois avec cette discipline en 2015 dans Race Room. Et c'est vrai que voilà, la mise à jour était plus que nécessaire pour cette discipline qui était la DAC GT Master. Et du coup, il y aura un championnat e-sport à DAC qui a été annoncé d'ailleurs par la DAC en Allemagne et par Race Room, et qui est d'ailleurs déjà entamé au niveau de ses sélections. Toujours agréable de découvrir de nouveaux tracés qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Dans ce deuxième tour, je m'y repère bien mieux. On va freiner aussi un peu plus tard. On va essayer d'attaquer sans se mettre dedans, bien sûr. Allez, deuxième tour couvert. Alors, il y a des noms que vous connaissez peut-être dans ce championnat, qui regroupe donc désormais 5 voitures. La BMW M6, l'Audi R8 LMS, la Corvette C7, la Mercedes AMG GT et la Porsche fraîchement ajouté dans Race Room. Plus de roof pour nous depuis quelques mois, et ça fait vraiment plaisir. Et si vous souhaitez un petit peu de multiclasse, vous pouvez toujours ajouter désormais en IA des voitures des années précédentes. Ça peut faire une grille plus sympa avec que des voitures de la DAC, mais bon, si on veut rester conforme à la réalité, voilà ce avec quoi l'on doit rouler. Une grille donc composée de 28 skins, 28 voitures différentes. Que dis-je, pardon, 31 voitures différentes en plus de la vôtre, pas 28, j'avais oublié de ranger sur mon tableau avec les livrées. Et alors le mode, lui, est disponible pour 10€, sachant que si vous êtes joueur habituel Race Room, vous allez payer beaucoup moins, puisque vous n'allez payer que les décorations, les livrées. Le reste, ce sont des modèles déjà présents dans Race Room, il n'y a pas de nouveauté. Donc globalement, vous allez vous faire plaisir à petit prix. Alors, est-ce qu'il faut absolument investir dans ce mode, c'est pas un mode, pardon, ce nouveau championnat proposé par Race Room sur son store? Je dirais pas forcément. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà les voitures, payez les livrées. C'est toujours un championnat sympathique, le championnat ADAC. Il y a quelques noms connus, comme je vous le disais, et les voitures sont plutôt bien équilibrées. Au-delà de ça, si vous avez déjà des GT et que vous cherchez juste une nouvelle
une nouvelle manière de piloter. Ne craquez pas pour ce championnat qui reste finalement réservé aux aficionados du GT. Si vous avez déjà vos bolides en GT3 de manière générale, sans championnat spécifique, peut-être quelques-uns des années précédentes, ne vous jetez pas à corps perdu dans l'achat de ce pack. Si vous n'avez encore rien, par contre, ça peut être une bonne entrée dans le monde du GT. Ça vous débloquerait quelques voitures. Donc à méditer si vraiment vous roulez sur Raceroom, vous faites de la ligue et toutes ces raisons valent l'achat, évidemment. Mais et puis si vous êtes fan d'une décoration, je pense notamment à la Mercedes AMG GT Man Filter ici devant, qui est un modèle vraiment très joli, hein, qu'on a pu apprécier en ADAC et au 24 heures de Spa-Francorchamps également, je crois, l'année dernière. Donc, et du Nürburgring, bien sûr. Franchement, c'est pas vital. Vous n'allez pas rater un pan du jeu si vous n'avez pas les décos, puisqu'ici, on parle uniquement de décoration. Par contre, s'il vous reste quelques deniers, quelques VPN, si je ne dis pas, ou de VPR, je ne sais plus. Bref, des points Race Room sur votre account, dépensez-les pour ce tracé de Most. Alors, je pense que c'est un circuit qui peut convenir à beaucoup de disciplines dans Race Room. Il est très sympa et honnêtement, je le découvre et j'en suis déjà quasiment amoureux. C'est un circuit un petit peu, on peut dire, à l'ancienne, bizarrement. Beaucoup d'herbe, peu de dégagement en tarmac, une piste étroite, des virages qui s'enchaînent, hein, une grande ligne droite ici pour peut-être revenir sur ses adversaires. Ça peut être une piste qui s'irait très très bien à du Blancpain Sprint Series par exemple, alors que là on a plongé sur la Manfilter, c'est pas mal. Mais oui, ce circuit Autodrome Most de la DAC GT, inauguré quand même en 83, eh bien, il a gardé un petit peu cet aspect, un peu comme d'autres circuits de Race Room, un circuit à l'ancienne, et c'est vraiment très sympa. Vous voyez, on peut aller attaquer les vibrants, on se croirait un peu ici, voilà, au Churchleben. Ça rappelle quelques parties d'autres tracés connus, et l'ensemble bien se marie plutôt bien avec le GT3, à tester évidemment avec des voitures de tourisme par exemple, ou encore avec des petites monoplaces comme la Formule 3. Je ne sais pas si des grandes monoplaces seraient particulièrement à l'aise ici sur un tracé comme celui-là, mais retrouver des voitures du DTM historique par exemple, ou des anciennes voitures, attention, ou des anciennes, des anciennes voitures de catégorie groupe 4 ou les NSUTT, ça peut être des catégories qui vont très très bien. Donc c'est un très très bon circuit, je trouve, pour toutes ces catégories-là, pas pour tout le jeu évidemment, mais c'est très sympa. En tout cas, moi je l'apprécie tout particulièrement, alors qu'on est dans le cinquième tour de course et qu'on reste, on doit être dans le top 15, 11, on doit être 12e, voilà, 12e pour l'instant. On tourne en 1:38. Alors j'avais mis une course de 10 minutes qu'on va essayer de se taire un petit peu et de profiter, de cravacher. Ça passe par le fait de remettre la première en sortie de chicane, sinon ça va être compliqué. Allez, je vous laisse profiter un petit peu aussi de l'ambiance de ce circuit en vue extérieure et surtout des voitures.
Bon, on est allé un petit peu au contact de la Mercedes. Décidément, l'équipe Manfilter va nous en vouloir. Je pense qu'on va, conclure cette course à l'issue de ce tour de présentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si je n'ai qu'un mot à vous dire, eh bien, c'est foncez. Foncez, téléchargez cette petite piste de Most qui est géniale, tout simplement. Très sympa, comme je vous l'ai expliqué et argumenté depuis le début de cette vidéo. La DAC est un peu moins un must-have, hormis pour les passionnés et ceux qui veulent absolument tout avoir dans Race Room. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo de présentation. On se retrouve très vite, évidemment, pour d'autres aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Salut.